Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Showcase de Gogeta Transfo DBS Zenkai. Ça y est, le personnage est arrivé, le nouveau Zenkai 7 1400% Gogeta DBS qui est dans la box, hein. Il m'aura coûté 6900 cristaux le perso. Alors je vous ai pas fait la vidéo analyse et invocation tout simplement parce que j'ai pas eu le temps ce matin, donc je vous montre directement l'animation Zenkai, il est absolument magnifique. Les gars, juste avant de passer à l'analyse et au showcase de Gogeta, sachez que la nouvelle vidéo invocation sur la chaîne sponsorisée d'Amazon est disponible. C'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. C'est les nouvelles invocations. Encore une fois, sur Gatai Zamasu. On va essayer de dropper Gatai Zamasu LF, les gars. Donc, les invocations sont dispo. Ça sera le premier lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker la vidéo invocation. Ça dure 10-15 minutes comme d'habitude. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu là-bas et à vous abonner à la chaîne aussi. Ça m'aiderait énormément et ça me soutient énormément pour le coup, vraiment. Donc un gros merci à ceux qui jouent le jeu. Gogetada, qu'est-ce qu'on peut dire de lui, les gars, ce Gogeta? Bon, on va aller voir directement transformé parce qu'on va jouer le perso transformé. Niveau des stats, il est incroyable. Il est incroyable au niveau des statistiques, avec quasiment 2,8 millions de force pour le perso, 291 000 d'attaque strike, 304 000 d'attaque Ikoa, bon c'est extraordinaire, hein. 190 000 de défense physique et 191 000 de défense Kikoa. Les statistiques de ce Gogeta Zenkai sont tout simplement extraordinaires, les gars. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est extraordinaire. Vraiment, il a des stats de fou furieux. D'ailleurs, vous allez voir que le perso a assez peu de réduction finalement dans le kit. Mais le truc, c'est que vu les stats défensifs qu'il a et vu qu'il a 3 KZ Zenkai sur la tête anti-messagie, hein, celle de Goku Damek, celle de Badak et la sienne, eh bien vous allez voir que le perso, il va être quand même assez solide forcément avec les stats défensifs qu'il a. Alors globalement, qu'est-ce qui va changer avec le Zenkai? Ce qui va être intéressant déjà, c'est que lorsqu'on se transforme, on réduit de 20 le coût des arts spéciaux, donc maintenant c'est quelque chose qui est en place, il n'y a pas besoin de faire une carte verte, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui va être très sympa, c'est une fois transformé, lorsque vous allez faire le main, vous allez gagner du ki maintenant. Alors voilà, j'en avais parlé hier, hein. C'était une galère qu'on gagnait pas de ki. Là, ce qui est bien, c'est qu'on gagne du ki. Du coup, on a de quoi jouer l'aspect direct, hein, parce que l'aspect, dans tous les cas, va coûter moins de 30, vu qu'on réduit le coût à la première transformation. Donc, on tire une spé qu'on peut jouer directement. Donc, c'est grave de chez grave sympa. Et du coup, si on a setup une verte, on a même un lock, en fait. On a un lock avec une spé qui va déchirer l'adversaire. Donc, c'est absolument extraordinaire. Le passif numéro 1 n'a pas changé. Le passif numéro 2, maintenant lorsqu'on esquive on gagne 32 ki, avant je crois que c'était 20, et surtout on régénère de 50% la jauge de téléportation deux fois, donc ça c'est ce qui va être très intéressant, bien entendu avec 40% de dégâts de base, hein, ça n'a pas changé. Passif numéro 3, à chaque attaque lancée physique ou Kikoa, on gagne 5% de dégâts d'énergie pendant 10 secondes, pardon, et on régénère le ki de 3. Bon, honnêtement, le passif, il est éclaté au sol, hein. Le passif, il est ridicule, mais le truc, c'est que le perso, il est tellement fort qu'ils n'allaient pas lui mettre des passifs de fou, parce que sinon, ça allait être juste n'importe quoi, forcément. Et le passif numéro 4, réduit de 10% les dégâts que les classes ennemies puissants vous infligent. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, augmentent de 20% les dégâts infligés, réduit de 10% les dégâts subis. Alors, finalement, il y a très peu de choses qui changent sur ce Gogeta. Très peu de choses. C'est l'un des Zenkai où il y a le moins de choses qui changent. Mais le truc, c'est qu'il était déjà tellement bien. Et finalement, ils ont changé des choses qui vont être intéressantes. C'est-à-dire le main, par exemple, avant, qui réduit le coût de toutes les spé après la transfo. En fait, toutes les spé après transfo vont coûter 30. Enfin, même pas 30. Elles vont coûter moins de 30. C'est super fort. C'est excellentissime. D'autant plus qu'encore une fois, sur le main, maintenant, tu gagnes du ki. Donc, tu as de quoi jouer une spé directe sur le main une fois que tu es transformé. Et souvent, tu vas avoir setup une verte, en fait, avant. Donc, tu vas loquer, tu vas mettre des dégâts de ouf. C'est trop facile à jouer, en fait. C'est trop facile à mettre en place. Et c'est ça qui est très fort. Alors, bien sûr, hein, vous avez également l'augmentation des statistiques qui fait qu'on va mettre de plus en plus de dégâts. Et les petits pourcentages de dégâts en plus sur chaque carte jouée, bon, ça change pas grand-chose. Et le problème, c'est que c'est que des pourcentages de dégâts d'énergie. 5% en plus, c'est pas énorme. Ce qui va être intéressant, c'est quand même les 20% d'ici. Hein. Les 20% de bonus de dégâts d'ici, c'est intéressant. Et bien sûr, si vous êtes face à des ennemis puissants, bah là, vous avez 20% de réduction avec les stats défensives. Vous allez tanker de fou malade. On est parti en PVP pour du Gogeta Zenkai. Let's go. Alors, on commence avec une team qui diva en face de nous. Il y aura probablement pas d'ennemis puissants. Je le vois ni jouer Gatai Zamasu, ni jouer... Blague au cours aux rouges, donc malheureusement on n'aura pas ce bonus là. Par contre, la bonne nouvelle quand même, c'est que
On n'aura pas trop de verts menaçants pour nos bleus. Enfin, il y a Vados, mais bon. Après, elle est 9 étoiles. Vados 9 étoiles sous double bonus pivot si ça joue Mirai. Enfin, il y aura double bonus pivot dans tous les cas. C'est vrai que Vados, ça peut quand même faire mal. Faut pas prendre à la légère. Mais nous aussi, on peut faire super mal à la team adverse. Allez, c'est parti pour la première game avec Gogeta Zenkai. Alors, bien sûr, j'ai mis ses cartes d'art pour l'occasion, vous en doutez. Et lui, il va nous embêter par contre, Mirai Gohan, dans ce match. Waouh. Waouh, Badax qui humé. J'ai l'impression qu'il prend vraiment cher son Mirai Gohan. Alors, on va mettre Broly, nous, ici, hein, puisqu'on nullifie. On a du soin en se transformant, donc on peut le mettre face à Mirai Gohan. Ça ne pose aucun problème. La verte, je vais la garder pour Gogeta, mais genre tous les jours de l'année. Et là, faut absolument transformer Gogeta avant de refaire rentrer Badak. Ça, c'est assez important à mettre en place. Donc là, Broly, bah, trop fort, hein. Broly en team Super Saiyan. Mais par contre, il a vraiment 0-0-0 KZ défensif dans sa team, en fait. C'est un truc de fou, il prend tellement cher. Bon, il a détruit ma verte avec Vados, c'est relou. Main de Vados. Parce qu'en fait, il fait quand même bien mal. J'aurais pu tenter de la récupération de l'esquive. Hein. Franchement, j'ai hésité. Il fait quand même bien mal, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il il tanque rien du tout en face. Il a sûrement le Rising Rush, là. Hein. Ouais. Ouais, je m'en doutais. J'ai pas pu mettre Broly, c'est un peu relou. Alors, pas ça sur une Blast. Je pense que ça va être Blast ou Strike, un des deux. Ok, on a le bon pic, ça c'est vraiment cool parce que ça me permet de garder les bonus SSJ bien sûr. Le tout droit qui ne passera pas malheureusement et Mirai Gohan qui va sur mon main ultime ici. Donc on laissera pas Broly mourir, hein. Sur le coup on a une nouvelle verte d'ailleurs pour Gogeta. Bon bah il nous tue Broly sans main, Mirai Gohan vraiment fort. Hein. Vados... Ok, donc là, j'ai un gros truc à faire avec Gogeta, honnêtement. Vous voyez, les dégâts blast sont clairement corrects. On envoie une blast supplémentaire et on se paie. Et Gogeta contre type qui va tuer Vados 9 étoiles. Là, elle est loquée, Vados, hein, peut pas partir. Donc l'aspect qui va s'abattre sur Vados, je sais pas si on va la tuer. Ouais, quasiment. Quasiment, mais non. Attendant, ça fait une différence de pas la tuer, j'aurais bien aimé. Ça m'aurait mis bien ici. Hop, on va récupérer notre esquive. C'est vraiment fort, hein, la régène d'esquive, là aussi, d'ailleurs. L'aspect en perfect dodge sur Végéto. Là, le problème, c'est que mon Gogeta, il est sur le terrain depuis beaucoup trop longtemps, donc il a les bonus. Comme vous pouvez le voir, donc l'aspect qui arrache complètement le Végéto adverse. Et le clash ici, de Badak sur Mirai Gohan, ça serait bien de le gagner, mais 929, c'est nul. C'est nul. C'est nul de faire 929 sur un clash. Et c'est pas cool de faire un clash nul. Et du coup, on se retrouve en 1v1 face à Mirai Gohan. Je pense pas qu'il ait tendu l'ulti, là. Allez, il a le temps de strike. Par contre, il va me mettre cher. Il va me mettre cher. Et le problème, c'est que j'ai une main, mais déchétrale, là, avec Gogeta. Il va ulti, mais il me tuera pas, là, avec l'ulti. Hein. Vous avez vu, il est solide, hein, le perso. Il est vraiment solide, le perso. Ouh, par contre, la petite spé, là, ça pourrait changer pas mal de choses, ça. Ça pourrait changer pas mal de choses, la petite spé, là. Alors, malheureusement, il n'annule pas la survie au chaos sur les spé. Ça aurait été vraiment fort. Ça aurait été vraiment, vraiment costaud. Et le kill. Ok, Gogeta Zenkai, vous avez vu un verre. Alors, voilà, typiquement... Typiquement, il n'y a pas de réduction là. Vous avez vu ce qu'il prend sur. Et Mirai Gohan, il tape fort. Dieu sait que Mirai Gohan, il tape fort, surtout dans sa team à lui. Là en face, il a une team quand même extrêmement offensive. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, Gogeta, il tient bien à la fin. Il tient bien et ça nous permet de gagner la game d'ailleurs. Hein, parce que s'il tient pas aussi bien, on perd la game. Ça, c'est clair et net, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc là, le fait qu'il tanque aussi bien. Ça... Enfin, qu'il tanque aussi bien. Il love tank en fait. Il tanque pas vraiment, mais il love tank. Ça va, il peut encaisser. Il a beaucoup de points de vie. Il peut en prendre des dégâts. Il y a de quoi voir venir. Et là, ça nous met vraiment, vraiment, vraiment bien. Parce qu'en fait, il sait qu'il peut pas nous tuer avec l'ultime. Du coup, il préfère temporiser avant de le lancer. Et au final, on s'en sort quand même super bien ici avec l'aspect qui est top deck et surtout les deux blasts à la fin là qui viennent absolument détruire le Mirai Gohan. On n'a même pas eu besoin de Rising Rush au final. On enchaîne. Ok, on est face à Kidiva encore une fois et là, cette fois-ci, il est très embêté, je pense, en face parce que bah il tombe sur un match-up dégueulasse pour lui, quoi. Parce qu'en plus, il a deux ennemis puissants, à savoir le Gatai et le Black Goku. Donc là, il est vraiment, vraiment derrière au niveau du match-up. Surtout que sa team, elle est très peu étoilée, en fait, là. Donc ça va être compliqué pour lui. C'est parti. Alors, vous avez vu ce qu'il avait comme team, hein. Il a été obligé de piquer un truc chelou. Il a été juste obligé de piquer un truc chelou parce que bah tu peux pas
Partir avec Gatai Zamasu, tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible face à la team. Ça va te mettre juste trop derrière. Je vais garder la verte pour Gogeta. D'ailleurs, hein, on peut y aller là direct, hein, c'est 10 secondes pour la transfo, donc bim, directement on le switch out, enfin on le switch in, pardon, et on verte. Direct. Je tente l'aspect. Dommage, j'ai esquivé. S'il y avait un deuxième pas de côté d'office, ça aurait pu passer. Et là, bah, on voit hein, le Black Goku qui va avoir du mal à nous mettre des dégâts, forcément. Vegito est présent. Clash ici, si on gagne le clash, on est trop bien dans la game. Pourquoi? Parce que j'ai le main, en fait. Ah, dommage. Parce que là, franchement, Gogeta est sur le terrain depuis un petit moment. Donc là, juste avec l'aspect, je l'aurais complètement détruit. Bon, vous avez vu sur le Vegito, hein, il galère de mettre des dégâts, le Vegito, forcément. On va juste faire re-rentrer Badak, là, pour recharger les bonus crit. Et pas tout prendre sur Gogeta non plus, d'ailleurs, accessoirement. Ok, bon, on est méga bien dans la game. Franchement, il est super, super fort, ce Gogeta DBS. C'est un truc de fou quand j'y pense. Ne serait-ce que là, sur la tankiness et tout qu'il apporte. Après, c'est normal hein, qu'il tanque autant, encore une fois. Par rapport au KZ Zenkai, ça joue énormément et à ses stats défensifs de base. Ok. Ah, ça va passer quand même, hein, parce qu'il a vert en face. Eh non, ça passe pas. Ça ne passe pas, my bad. C'est pas grave, nous on va. Enfin, c'est pas grave. Ça aurait été mieux que ça passe quand même. Ça aurait été quand même mieux que ça passe. Mais bon, on va s'en contenter de l'ulti ici avec Badak. Et j'ai une spé dans la main pour Gogeta. Hein. J'ai une spé dans la main pour Gogeta. J'ai encore son main aussi accessoirement. Si on le souhaite. Ah. Ok, kill sur Goku Blue. Ici on va mettre Broly. On va mettre Broly, on va strike direct. Clash. Et ça serait bien d'en gagner des clashs des fois. Hein, voilà. Il suffit de demander en fait. Donc là, Broly qui va rentrer ses dégâts sans problème. Ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a cover de Vegito Blue. Mais ça passe, ça. Let's go. Ah, ça passe et puis ça fait mal en plus. Hein. Et Broly, encore une fois, hein, qui crit sur la strike. Et abandon du combat. Bon, ça s'est passé comme sur des roulettes, j'ai envie de dire ici. Hein. Ça se passe très tranquillement. La team, elle est forte. Hein. Putain, qu'est-ce que la team, elle est forte. Qu'est-ce qu'elle est forte cette équipe. Je repense d'ailleurs à une chose, c'est que c'est vrai que vous avez la possibilité d'avoir la nullification du type avec le Broly DBS, bien sûr c'est très fort. Mais vous avez également le côté où Gogeta DBS va taper tellement fort en spé, on l'a vu tout à l'heure sur Vados. Et de manière générale va taper fort, hein, la Vados ça a été quand même 9 étoiles. Que face à du vert vous avez vraiment moyen de mettre des dégâts. Et c'était sans crit hein, tout à l'heure sur Vados, hein, c'était sans crit. Hein. Avec des crits forcément il n'y a plus de contre-type quoi. Donc là-dessus après il n'y a pas de problème. Donc c'est un truc qui est au même titre que la Green Yellow que joue beaucoup. Qui est fort, c'est qu'on va pas souffrir tant que ça du contre-type avec une team double couleur. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant. On enchaîne. Team Saiyan en face de nous. Bon, bon, bon. Malheureusement, on croise pas de Gatai Zamasu LF là. J'aimerais bien, bien, bien croiser un Gatai Zamasu LF. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aimerais énormément quand même. Pas d'ennemis puissants encore une fois ici. Team Yellow Blue potentiellement Saiyan. Honnêtement, on a un gros avantage là au niveau du match-up. On pourrait partir avec Goku Namek, ce serait pas forcément une erreur, mais je préfère prendre Broly pour avoir le côté Super Saiyan direct dans la team. La troisième game de ce showcase commence et en face il y a Kid Goku et franchement c'était un joli move ça le backdash carte verte là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, on met Broly directement ici. Ouais, double crit avec Kid Goku d'entrée de jeu par contre. What the fuck quoi. Et des tap attaques. Alors ce qui est bien c'est qu'on a la verte encore une fois pour Gogeta directement. Donc ça c'est vraiment cool, on a la verte et on a l'aspect d'ailleurs même si on veut. On va juste profiter de la vitesse de pioche de Broly avant. Voilà, transfo, verte pour Freeze. Là, si je voyais une blast partir, hein, j'en voyais direct, moi, derrière. Oh là là, quel dommage. Si je l'attrapais là-dessus, mais je le détruisais, je pense que c'est un one-shot. Hein. Même si j'ai pas les bonus crit et que on n'a pas les bonus encore du fait qu'on soit resté longtemps sur le terrain. À mon avis, c'était pareil. Hein. Vraiment. Et là, vous voyez, encore une fois, hein, on peut le laisser. Hein. On peut le laisser pour encaisser, c'est ça qui est bien. Sachant qu'on a un soin sur le main, en plus. Hein. Faut pas l'oublier. Il a récupéré l'esquive avec Majin. Intéressant. Quand je vais la mettre l'aspect là, parce que là j'ai le full bonus hein, pour le coup. J'ai le full bonus pour le coup là sur le main. Alors là il réduit Goku en face. Donc on va juste attendre qu'il réduise plus avant de spé. J'imagine. Enfin là je vais plutôt Rising Rush en fait tout court. Parce que là bon je veux bien pour l'aspect c'est cool mais le Rising Rush là est juste trop fort. Hein, parce que le Rising Rush c'est le kill quoi. Potentiellement bien sûr s'il n'y a pas de contre.
Bon, l'aspect, il va le laisser un HP, je pense. Ah, vu que c'est pas l'aspect complète, non. Et c'est contré, putain, vas-y. Contré sur Goku Namek, par contre, sérieux, quoi. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. J'ai reset à une verte, il est mort. Après, là, je crie pas, j'ai plus les bonus de Badak. Mais combien on lui met? Vas-y, fais voir. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? Il est pas mort, mais il a pris très cher, quand même. Si j'avais les bonus de Badak, il était 100% mort, les gars. Et cette régène d'esquive, putain que c'est fort. Putain que c'est fort, cette régène d'esquive. C'est méga fort. C'est méga, méga fort. Tout est trop fort, là, dans la team. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, on s'est fait contrer le Rising Rush. Hein. On est dans la situation dans laquelle on est. On s'est en fait contrer le Rising Rush. C'est un truc de ouf. Allez, c'est Rising Rush en face aussi. Franchement, Gogeta, t'as plus que fait le taf. Hein. Il a laissé Goku d'un mec très bas. Il a mis Majin Vegeta très bas aussi. Et on contre aussi, parfait. Et on finit Goku d'un mec, voilà. Ça, c'est le karma pour le contre. Ah, c'est chier. On va pas laisser Gogeta mourir. Hein. On n'a pas besoin de le laisser mourir ici. On peut tanker avec Broly, puis passer sur Badak pour l'aspect. Parce que je pense que Broly meurt par contre sur l'aspect. Ok. Le petit tapotir qui met des bons dégâts honnêtement. Et le Majin ici qui va nous mettre des bons dégâts aussi par contre. Kid Goku. Je peux reprendre une strike encore éventuellement sur Badak. L'ulti je peux pas par contre. Mais Broly arrive à point nommé, j'ai envie de dire. On va le transformer d'ailleurs, Broly, ici. Pour le soigner, accessoirement. Et également recharger les nullifications de type pour les prochaines entrées en scène. Ça tape direct. On va devoir laisser. Il va falloir en perdre un là. Et au bout d'un moment, il n'y a pas avoir le choix. Et encore que, en fait, je dis qu'il n'y a pas avoir le choix, mais on va peut-être pouvoir tenir en fait. Oh, j'ai mal joué au niveau de mon esquive. Lui, il a bien joué avec son backdash, enfin son espèce de double dash là, c'était bien joué. Cette game, elle est pas win. Hein. Il a la survie au KO encore sous Kid Goku. Nous, on unifie, donc on va certainement se faire sauter la survie là. Ouais, sans problème. Et c'est terminé. Ok. Bon, Gogeta, encore une fois, impérial dans cette game. Hein. Je tiens quand même à vous... Enfin, regardez les dégâts qu'on a mis sur Majin avec l'aspect, ok. Regardez les dégâts qu'on a mis sur Majin avec l'aspect, sachant qu'à ce moment-là, on n'a plus les bonus de dégâts de Badak et Senshi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut plus crit. Enfin, on a beaucoup moins de chances de crit. On n'a plus les bonus de dégâts crit. Bon, de toute façon, on n'a pas crit, donc on s'en tape. Mais il y a aussi un bonus de dégâts pivot classique, hein, et on l'avait plus. Alors... Yangata Isamasu, ça m'étonnerait qu'il soit pick honnêtement, hein, ça m'étonnerait, il y a Biruzenkai, et Biruzenkai c'est vraiment le counter pick par excellence à Gogeta je pense, vraiment sincèrement. Après le truc qui est relou, c'est vrai que j'ai vu des gens dire ouais, Biruzenkai va détruire Gogeta et tout, c'est plus compliqué que ça, parce que Gogeta souvent il va être accompagné par Broly en fait, et le truc c'est que Birus tu le joues pas sans Vados, donc c'est à dire que tu acceptes de partir en WR face à Broly. Anti-messagerie, c'est très dangereux. C'est très très dangereux d'accepter de partir en WR face à Broly anti-messagerie. Hein. Vraiment, c'est très très dangereux. Donc oui, certes, Beerus, fort pour contrer Gogeta, mais tu t'affaiblis mais tellement face à Broly. Alors oui, certes, tu protèges ton Gata Isamasu, mais je suis pas sûr que tu sois gagnant dans l'histoire, moi, bon, à voir. Ah, ça joue pas Beerus, mais en même temps, on peut le comprendre, hein, parce que franchement, partir en WR face à Broly, c'est vraiment chaud. Vraiment, c'est très bolji de partir en WR face à Broly. Hein. Ça peut partir sur un kill à vitesse de la lumière, quoi. Vraiment, vraiment. En parlant de Broly, on va le mettre. Parce que comme ça, il va prendre des dégâts, il va se booster un petit peu. Très bien. Oh, t'es pas sérieux là. Le short a 3 blasts aussi, quoi. Surtout que moi en plus une strike ça me permettait d'open, hein. Je passais à travers et non. Pas de chance là sur le coup honnêtement. Et mon Broly a pris très cher du coup. Ça peut potentiellement Rising Rush déjà. Et ouais ça le fait. J'aurais pu l'esquiver, oh my god. Oh my god j'aurais pu l'esquiver. Ça avait whiff le combo.
Ok, contrée, on va garder Broly bien au chaud là pour la suite des événements. On peut setup le délire sur Gogeta, c'est très fort. On connaît. Bien joué la single tap en face. Il faut refaire entrer Badak là, vraiment. Pour recharger les bonus crit. Et là maintenant Broly, il faut le faire rentrer offensivement sur un délire où on va faire l'ultime. Pour mettre un maximum de dégâts. En espérant chater sur le crit. Le compte du Rising Rush là est très fort pour nous. Enfin très fort. Si on arrive à en profiter quoi. En tout cas. A priori ça va être le cas. Dès ce combo en fait. Voilà, là autant partir direct. Hein. Autant le faire directement parce qu'au moins c'est validé. Et après on sait que si on perd Broly c'est moins grave. On aura rentré des gros dégâts avec. Avec l'ulti. Voilà, bon bah alors là. Alors là Broly il a fait... Il a fait plus que le taf, on va loquer, hop, comme ça Goku Blue il meurt sans partir. Sans être cover par Vados, donc ça c'est très fort hein, l'aspect qui lock. J'ai dit, hein, essayez de setup une carte verte si vous pouvez sur votre Gogeta. Ça fera souvent la diff. Main, je vais rebalancer une spé direct. Il est mort. Il est mort, oh là là le crit. Oh là là le crit. Oh là 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 là. Alors là, les dégâts fait voir. 2,8 millions les gars, c'est énorme. C'est énormissime. Et Gogeta, qui est en train de laver le fion à Vados en contre-type. Et on va récupérer l'esquive. On va récupérer l'esquive parce que les 50% de régène d'esquive, bah c'est très fort. Tout simplement. Bon, j'ai attendu un pas de côté qui n'est jamais arrivé, malheureusement. Et voilà, hein, bah, Vados qui aura bien du mal à tuer Gogeta. C'est beau, ça. C'est beau ça, Gogeta qui tient face à Vados sans problème. Et le kill va être fait avec nos blasts. Et franchement, bah, ce Gogeta DBS, il est excellentissime. Ça se marie très bien avec la team Super Saiyan, comme vous pouvez le voir. Et ça fait un excellent taf. Le lock sur les spé, c'est beaucoup trop fort pour prendre un kill sans cover, tout simplement. Vous savez que vous avez une spé qui tape très fort. Qui tape vraiment très fort. C'est-à-dire que même, bon là vous avez vu sur Vegeta Blue, on lui met 2 8. Après c'est une spé crit, etc. Donc c'est un peu particulier, mais... De base, vous savez que vous avez une spé qui va taper dans les 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, 1 million 5. C'est l'équipe. Normalement, c'est les ultis qui tapent aussi fort que ça. C'est les ultis des gros persos. Sauf que là, vous savez que vous avez la possibilité de lock facilement avec. Et donc, bah, si vous avez mis un perso mid-life, vous balancez l'aspect derrière, prenez un kill. Vu qu'il y a un lock, le mec en face peut rien faire. Il peut pas mettre sa Vados pour cover. Il peut pas sauver son Goku Blue. Et derrière, on a trop l'avantage. Bon, après, on a énormément chaté dans cette game. Contre du Rising Rush, plus ce stun, il a vraiment pas eu de chance en face. Bon, j'espère que le showcase vous aura plu, les gars. N'oubliez pas la vidéo en vocation sur la chaîne sponsorisée d'Amazon. Premier lien dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez bien les frérots, bye tout le monde. Ciao, ciao!